Peut-être un enfant, il vous abuse de la manière la plus sadique qu'il soit. À qui raconter ça? Je ne sais pas contre qui je suis le plus en colère. Les criminels ou bien la justice et la police qui sont au courant et qui pourtant ne font rien. En août 1996, l'affaire du trou éclate en Belgique. Quelques jours plus tard, cette femme, alors âgée de 27 ans, déclare aux autorités belges qu'elle a été, durant toute son enfance et son adolescence, victime d'un réseau de criminels d'enfants. Son témoignage va déclencher une violente polémique dans le pays. Certains la tiennent pour folle, mythomane, d'autres pensent que ce témoignage, trop dangereux, a été étouffé. Devant les archives de la télévision belge, Regina Louf, aujourd'hui âgée de 33 ans, revient sur les circonstances qui l'ont amenée à témoigner. Madame, monsieur, bonsoir. La libération de Laetitia et Sabine constituera bien sûr le principal titre de ce journal. Les kidnappeurs avaient été arrêtés au début de la semaine déjà. Il s'agit de Marc Dutroux, un récidiviste, de sa compagne et d'un complice. Mais de suite, les images très émouvantes de la libération des deux jeunes filles et des retrouvailles avec leurs proches, Joanne Montet. Hier soir, vers 18h30, Sabine Dardenne retrouve son domicile de Quin, près de Tournai. Les retrouvailles sont poignantes après 2 mois et demi de séparation. Vers minuit, à l'autre bout de la Belgique, Bertry, dans la province de Luxembourg. Pour le retour de Laetitia aussi, un comité d'accueil spontané s'est formé devant la maison. Op het moment dat die twee meisjes bevrijd werden. Quand ces deux filles ont été libérées, mon plus cher désir était de dire aux gendarmes qui les avaient libérées, naar de mensen stappen die hen bevrijd hadden en zeggen van kijk, écoutez, die mensen, les gens que vous venez d'arrêter, die zijn al lang, sévissent depuis longtemps. En dat zijn niet alleen. Et ce ne sont pas les premiers enfants dont ils abusent de cette manière. Mishandelen en misbruiken. Dans une des 6 habitations de Marc Dutroux, psychopathe dangereux. Arrêté 2 jours plus tôt, il est connu de la justice pour avoir enlevé et séquestré des jeunes filles en 1985. Il est en liberté conditionnelle depuis avril 1992. Parmi ses complices arrêtés, son épouse Michel Martin. Michel Le... En tegelijkertijd herken ik Marc Dutroux. J'ai reconnu Marc Dutroux et ce fut le deuxième grand choc. Parce qu'il était étroitement lié à mon ancienne vie. Les pelleteuses découvrent à Saint-la-Bouissière, derrière une des propriétés de Marc Dutroux, les corps de 2 enfants. Julie et Mélissa avaient 8 ans lorsqu'elles ont été enlevées à Grasse-Sologne le 24 juin 1995. Elles ont survécu plusieurs mois avant de mourir de faim. C'est à Jumet, dans une des propriétés de Dutroux, que l'on retrouvera les corps d'Anne et Eiffe, enterrés sous une dalle de béton à 2 mètres sous terre. Les premières images des caches sont diffusées. Tout le monde sait à présent quel a été le calvaire de Sabine, Laetitia, Julie, Mélissa, Anne et Effie. À Neuchâtel, les inculpations se multiplient. De 3 inculpés, on passe à 4. Avec celui qu'on croit être la tête pensante de la bande, l'intermédiaire entre Dutroux et les clients d'un réseau de pédophilie, Michel Nioul. Pour mettre dans 3 un coup. Pour moi, Nioul, c'était un dieu. C'était quelqu'un d'intouchable.
Et tout d'un coup, je le voyais avec des menottes sortant du palais de justice. C'était énorme. Voor mij was Marc altijd een randfiguur geweest. Hij was Marc Dutroux était un personnage secondaire. Il était chargé de l'approvisionnement en drogue et il gardait aussi les enfants. Nioul, c'était le chef. Au début de l'affaire Dutroux, l'existence d'un réseau ne semble faire aucun doute. Nioul se patiemment tissait un réseau de relations à de multiples niveaux, politiques et autres. Animateur de radio, chargé de relations publiques, conseiller lors de campagnes électorales, on le verra même présider une confrérie folklorique où l'on retrouve aussi les gérants d'un bien curieux bistrot de Terbeek. Le Dolo est un café d'apparence plutôt banale. Fin septembre, après avoir été perquisitionné, il sera pourtant fermé pour atteinte aux bonnes mœurs. C'est qu'on y partousait allègrement et Nioul y avait ses habitudes. Les partous auxquelles a participé M. Nioul et là l'enquête a été longue et fastidieuse et précise et de nombreuses personnes ont été entendues et à l'unanimité tout le monde déclare que c'est un partouzeur mais uniquement avec des adultes consentantes. Est-ce que dans ce partouze-là, il y avait aussi des personnes politiques? Ah, ça je n'ai pas posé la question à M. Nioul. Il y a certainement une possibilité que les réseaux de consommation autour de Nioul soient des réseaux qui essayent maintenant de se protéger eux-mêmes d'une part et d'autre part, accessoirement, de convaincre Nioul de ne pas parler. Donc il est certain qu'autour de Nioul, il y a des consommateurs importants. À ce moment-là, j'ai pensé, enfin, ils me croient, enfin, ils savent que ce monde existe. Un monde qui, tout d'un coup, cessa d'être invisible. Pour établir l'existence d'un réseau, Jean-Marc Conrot, le juge d'instruction en charge de l'affaire Dutroux, décide de rechercher d'éventuels témoins. A signaler encore ce communiqué que le juge Conrot demande de diffuser. Il fait appel à toute personne ayant été victime de faits de pédophilie et aux témoins éventuels. Il demande qu'on lui communique toute information. Les enquêteurs retiendront une dizaine de témoins. Pour préserver leur anonymat et leur sécurité, on les appellera les témoins X. Régina Louf devient alors le témoin X1. Elle sera entendue à 17 reprises à Bruxelles, dans une salle identique à celle-ci, spécialement aménagée pour les victimes d'abus sexuels. Toutes ces auditions seront filmées. Au début, Madame Louf, pour moi, elle était hésitante. Et c'était comme elle voulait en finir assez vite de ses auditions. Je ne sais pas, elle avait été en thérapie, elle était en thérapie, et au début j'avais l'impression que elle nous prenait pour des thérapeutes, quoi, qu'elle pouvait donner son histoire, mais en matière de thérapie. Nous, on était des policiers et on avait besoin de détails. On a un travail à faire pour une justice. Et quand on a un témoin, ben, il faut des déclarations, il faut des détails, il faut tout. X1 commence par le récit de son enfance. Jusqu'à 11 ans, elle vit chez sa grand-mère à Knokke, une station balnéaire de la côte belge. On m'a confié à ma grand-mère à Knokke. Parce que j'étais soi-disant un enfant difficile. On me disait que tout était de ma faute. Depuis que je suis née, on m'a appris que j'étais une putain. Je devais être formée afin d'être une enfant qu'on pouvait abuser. Vous pensez que c'était déjà programmé? Oui. Oui, c'est quelque chose qui se transmettait dans ma famille de génération en génération. Ma grand-mère avait déjà forcé ma mère à faire des choses sexuelles avec des hommes. Souvent, Madame Louf, elle s'enfermait dans le silence. Et même un silence qui pouvait durer une heure et demie, où il fallait pas continuer à poser des questions. Qu'il fallait la laisser revenir à soi-même. Ma grand-mère parlait très peu. C'était vraiment dur. Psychologische drama. Je devais tout comprendre, tout sentir par moi-même.
À une époque, en utilisant une bouteille de limonade, elle m'a appris comment on faisait une fellation à un homme. Elle avait un tas de méthodes différentes pour me faire obéir. Parfois, elle me déshabillait et me plongeait dans un bain glacé pendant de longues minutes. Echt ijskoud water, minuten lang. La première fois qu'elle m'a livré à un homme, elle m'avait attaché sur un lit. Quand l'homme est monté dans la chambre, elle est restée à côté du lit. Ensuite, elle me faisait des reproches. Tu t'es laissé faire, tu t'es laissé toucher, tu es vraiment sale, tu es méchante. Et quand je pleurais, ou quand je criais, elle me battait. Il fallait pas réagir ou dire que ça n'existait pas. J'avais déjà fait connaissance de ça dans des autres enquêtes, aussi sur la pédophilie. J'avais vu les photos, j'avais vu à quoi l'être humain était capable. Les viols sur enfants de quelques mois. Je me souviens que je voyais environ 3 à 4 clients par jour. Je rentrais de l'école à midi pour manger. Il y avait déjà un client. Quand je rentrais à 4 heures, il y en avait d'autres. Et pendant les vacances, ça n'arrêtait pas. Après une audition de Madame Louf, je peux vous assurer, ça vibre sur votre, dans votre tête. Hein, et ça vous prend quand même quelques jours avant vous êtes revenu la personne que vous étiez avant. Plus souvent, les auditions ont lieu la nuit pour permettre à Regina de travailler durant la journée. Elle tient une ferme dans la campagne de Gand où elle élève des chiens et des chevaux. Après 5 ou 6 heures d'interrogatoire, un gendarme la ramène chez elle au milieu de la nuit. Quand le sommeil lui fait défaut, Regina continue de fouiller sa mémoire. On peut tout faire avec un enfant de 4 ou 5 ans, voire même plus jeune. Fellation, viol vaginal, viol anal. Je me souviens un jour, je me suis vraiment débattue. Ils se sont mis assises pour me tenir. Mais quand tu te débats, la douleur est 2 fois plus forte. Donc j'ai fini par ne plus résister. Donc ook dat houdt rap op. Avec le temps, tu apprends à ne plus ressentir la douleur. Là, vous nous parlez d'une douleur intense. Et pourtant, vous avez un visage toujours souriant. Oui. Pleurer, montrer ma peur, ce sont des choses qu'on m'a désapprises. Au moment les plus pénibles, je devais sourire parce qu'il y avait des caméras et des appareils photos. Ou parce que l'homme qui m'abusait n'avait pas envie de voir ma peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive à pleurer que quand je suis vraiment seule. C'est quelque chose que je ne peux plus montrer aux autres. Après l'arrestation de Marc Dutroux, le juge Conroth, véritable héros depuis qu'il a sauvé Sabine et Laetitia, est dessaisi de l'enquête, au motif qu'il a participé à un repas de solidarité avec les familles des victimes. Bonjour, la Cour de cassation vient de trancher, elle ordonne le dessaisissement du juge Conroth. C'est la consternation, l'écœurement, à Neuchâtel comme à Bruxelles. La Wallonie et la Flandre se retrouvent dans de véritables mouvements sociaux. Tous sont focalisés sur l'arrêt de la Cour de cassation, du jamais vu. Pour la population, la justice, déjà largement décriée, vient de perdre ce qui lui restait encore d'humanité. À certains endroits, la tension est telle qu'on frise les meutes. Ik had echt het gevoel van...
Pour moi, à l'époque, c'était la fin. Je me souviens avoir dit à l'adjudant de base que c'était terminé, que plus rien n'allait se passer. Il m'a répondu, pas du tout, on continue. Mais pour moi, c'était la fin. C'était vraiment un sale coup. C'est la plus importante manifestation de l'après-guerre qui s'est déroulée cet après-midi. On avait parlé d'abord de 100 000 participants, puis de 150 000. C'était l'estimation de la gendarmerie vers 15h30. Mais les forces de l'ordre n'auraient pas compté les enfants. Les organisateurs de leur côté annonçaient vers 17h par haut-parleur qu'il y avait 325 000 personnes sur les boulevards du centre de Bruxelles. Une véritable marée blanche. C'était deux parallèles mondes. C'était deux mondes parallèles qui se heurtaient. Dans mon coin, je témoignais sur les réseaux dans l'espoir d'ouvrir une porte et de sauver des enfants. Et de l'autre côté, il y avait cette foule immense qui venait exiger devant le palais de justice qu'on n'enterre pas les dossiers. Malgré le dessaisissement du juge Conroth, l'enquête de l'équipe de Batz et les auditions de Regina Louf se poursuivent sous la direction d'un nouveau juge d'instruction. J'avais une équipe d'enquête qui travaillait sur les auditions dès qu'ils étaient fraîchement mis sur papier et qui allaient sur le terrain. J'étais le chef de la première équipe qui faisait des enquêtes. J'étais amené à prendre X1 dans une voiture et que j'étais dans une commune à la côte pour qu'elle nous désigne des endroits où elle aurait été utilisée à l'époque. Et quelques semaines après, on a pris une deuxième victime dans ma voiture. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a désigné quand même quelques maisons qui étaient les mêmes qu'X1 nous avait désignées quelques semaines avant. Ce second témoin, X2, déclare aux enquêteurs qu'elle a participé à Knock à des partouzes avec des mineurs. Parmi les abuseurs, elle cite des hommes d'affaires, des avocats, des magistrats. Deux d'entre eux ont aussi été désignés par X1. Pourtant, les faits se seraient passés quelques années après. D'autres témoins feront des déclarations qui recoupent celles de Regina Louf. L'un de ces témoins a accepté de parler tout en préservant son anonymat. C'est vrai, Regina a été abusée chez sa grand-mère et j'étais aussi abusée. Regina avait 7 ans, moi 8 ans. Après 4 heures, quand l'école est finie, je devais aller chez Regina. S'il n'y avait pas de clients, on devait faire notre devoir. S'il y avait des clients, on devait enlever des vêtements. On devait vraiment tout faire ce qu'ils veulent. La grand-mère avait un livre. Tous les noms de clients étaient marqués. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme l'argent Par soi-même, vous avez été emmené à l'extérieur de la maison? Oui. Pour aller dans une villa. Il y avait une genre de fête entre femmes et hommes. Et là, on était bien pris. Abusés, vous voulez dire. Vous avez tout raconté aux policiers? Oui, tout. Vous avez donné tous les noms? J'ai tout donné les noms. Est-ce que vous savez si Regina a parlé à quelqu'un? Elle a raconté à la maîtresse de classe. Je pense que j'étais devenue dangereuse, oui. Dangereuse dans la mesure où je m'étais mise tout à coup à raconter des faits extrêmement graves. Aux autres, à l'extérieur. À des élèves, des parents, des gens que ma grand-mère ne pouvait pas contrôler. La situation lui échappait, il fallait se débarrasser de moi. Sa grand-mère la renvoie chez ses parents qui vivent à Gand. Regina a 11 ans. L'ambiance à la maison frôlait la solitude absolue. Ma mère ne me disait ni bonjour, ni bonsoir. Je n'ai jamais eu droit aux bisous, ni aux câlins.
In 79, en 79, ma mère était employée, mon père ouvrier. Ma mère apprenait à l'époque à toiletter les chiens pour se mettre à son compte. Elle allait à son travail et quand elle rentrait le soir, elle oubliait complètement qu'il y avait un enfant à la maison. Après trois mois, ma mère m'a redécouverte. Parce que certains de ses amants ont commencé à s'intéresser à moi. L'un d'eux s'appelle Tony. Un jour, elle m'a dit, voilà, je te présente Tony. Désormais, tu lui appartiens. Il est ton propriétaire. Il a regardé ma mère et il a dit, elle est sale, il faut la laver. Et elle lui a répondu, eh bien, lave-la. Il m'a amené dans la baignoire où on lavait les chiens et il m'a lavé les cheveux. Il me souriait et il me demandait s'il ne me faisait pas mal. À ce moment-là, je suis montée sur ses genoux et avec beaucoup de plaisir, j'ai posé ma tête sur son épaule. Et oui, j'ai complètement oublié le reste. Tout ce qui comptait à cet instant, c'était ses attentions et la sensation qu'enfin, quelqu'un me regarde. À cette époque, Regina a 12 ans. Tony, lui, en a 40. Le premier jour, il m'a emmené au cinéma et il m'a immédiatement forcé à le masturber. Ça a été comme une douche froide. La première fois qu'il m'a prêté un homme, c'était à une fête, à Gand. Feest eigenlijk in Gent. En daar zijn we eigenlijk met on est allé avec toute ma famille et quelques-uns de ses amis. En op een bepaald moment tijdens die feest, un moment, il m'a attrapé par le bras. En zegt hij, kijk, et il m'a dit, die man daar, tu vois cet homme là-bas, daarmee moet jij naar bed. Tu dois coucher avec lui. Ik heb naar Tony gekeken en gezegd, ja, maar... Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je n'appartiens qu'à toi, je ne suis qu'à toi, je vais te rester fidèle. Il m'a alors frappé dans le ventre et il m'a dit, si tu n'obéis pas, je te forcerai à aller avec lui. Il y a une image que je n'oublierai jamais. Celle de ma mère et de mon père qui poursuivent leur chemin dans la foule. Alors que Tony me retenait pour me jeter dans les bras de l'autre, ma mère s'est retournée. Elle m'a regardée et elle est partie. En hij heeft mij meegenomen, die man. Et cet homme m'a emmené. En dat was het. Voilà. Tony wachtte mij op aan school. Tony m'attendait à la sortie de l'école. Dan vertrokken we naar. Et il m'a emmené dans des maisons où il y avait des partouzes et où on faisait des films. En ce qui me concerne, les clients étaient des notables, des gens de la haute société. À ma grande surprise, il y avait énormément de femmes impliquées, moins nombreuses que les hommes, mais bien plus cruelles.
Ik denk de allergrootste bescherming die het pour se protéger, le réseau essayait d'impliquer un maximum de personnes en les rendant complices. En men koos, on choisissait ceux qui avaient des situations utiles die men kon gebruiken. Dus bijvoorbeeld mensen uit par exemple des gens de la justice. Degene die in de val moest lopen, werd eigenlijk... Celui qu'on devait piéger était emmené à une réception, un simple diner. Een gewone diner. Daar werd heel veel où les apéritifs, le vin, le champagne coulait à flot. Wijn, champagne, achteraf. En nadat hij eigenlijk vrij dronken was... Une fois qu'il était suffisamment sous, on lui disait, viens, on va dans une villa où il y a des prostituées. En uiteindelijk kwam hij daar en inderdaad daar liep il y allait et là il trouvait des prostituées de 18 ans, 19 ans. En il nam mij op schoot. Il les prenait sur ses genoux, il buvait avec elles. Cognac. Puis on le faisait monter à l'étage. Où l'attendait une surprise. Want daar staat een verrassing voor hem. Daar is een verrassing. En die man denkt natuurlijk. Cet homme pensait qu'il allait pouvoir coucher avec une des prostituées. Mais à la place, il y avait une mineure. Maar op dat moment beseften de meesten. La plupart d'entre eux ne se rendaient pas compte à ce moment dans quel piège ils étaient tombés. De meesten lieten zich gewoon doen, want ze waren mee. Pris par l'ambiance, ils se laissaient faire. En ik of moi, ou une autre fille mineure, moment, nous savions comment agir pour que ces hommes couchent avec nous. Zo ver te krijgen om met hen naar bed te gaan, want si nous ne le faisions pas, on était battus. En voilà, daar waren de foto's. On prenait des photos, on filmait, et voilà, ils étaient coincés. Pour les enquêteurs de Patrick de Batz, le vent va tourner au début de l'été 97, 9 mois après le début de leurs investigations. 10 des 40 policiers en charge des dossiers X sont écartés. L'adjudant de Batz était pourtant considéré jusque-là comme un enquêteur chevronné. Désormais, la piste d'un réseau organisé est abandonnée. Commence alors une enquête sur l'enquête. Juin 97, le juge d'instruction Van Espen écarte l'équipe de Batz de l'enquête. Une nouvelle équipe de gendarmes est chargée de revisionner les cassettes d'audition de Regina et d'effectuer une relecture des procès-verbaux. Les nouveaux enquêteurs rendent leurs premières conclusions 2 mois plus tard. Elles sont accablantes pour l'équipe de Batz. Les auditions ont été orientées par des questions suggestives et dirigées. La présentation des faits dans les procès-verbaux de synthèse n'est pas fidèle au contenu des auditions. Des invraisemblances flagrantes fourmillent dans le récit. Des gens, pour nous déstabiliser, pour discréditer les victimes, ont commis des faux en écriture, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau de la magistrature. Ils ont encouragé la presse pour nous démolir et pour discréditer les victimes. On est tellement déboussolés, en fait, de ce qui se passe. Les événements se suivent tellement vite qu'on n'a même pas le temps pour se poser des questions. Pourquoi on fait ma peau comme ça? Et peut-être c'était la peur qu'on allait quand même aboutir à certaines enquêtes qui sont déjà longtemps classées sans suite, qui ont profité d'un non-lieu. Je suis sûr et certain qu'on était en train d'aboutir à quelque chose, d'avoir des résultats, et qu'on touchait à des trucs qu'on ne pouvait pas toucher. Il fallait continuer et prouver si c'était vrai, oui ou non, mais il fallait le temps pour ça. Et ça, on n'a pas eu. Bon, finalement, on était écartés, on était un peu en quarantaine, comme on pourrait le dire, dans un bureau, on n'avait pas de travail, pas de dossier, on ne pouvait plus rien faire. On m'a refusé ma promotion sociale pour devenir officier suite à... parce qu'il y avait des enquêtes judiciaires, disciplinaires contre nous. À la fin, j'ai pris la décision de ne pas rester à la gendarmerie, j'ai quitté pour le secteur privé. L'enquête s'enlise. Des journalistes de presse écrite décident de publier, avec son accord, le contenu des auditions de Regina Louf. Il conteste les accusations portées contre les enquêteurs. Regina Louf décide alors de lever son anonymat. Madame, monsieur, bonjour. On les appelle les X, X1, X2, X3, etc. Depuis plusieurs jours, des bribes de leurs témoignages ont été publiées dans certains journaux.
Ces témoins ont été longuement entendus, auditionnés par les enquêteurs de Neuchâtel, et ils ont révélé des faits sexuellement monstrueux et abominables. L'existence de filières où l'enfant, le mineur, n'était que des esclaves sexuels. Alors, faut-il les croire ? X1 a décidé de se dévoiler cette semaine. Elle s'appelle Regina Louf. Alors, X1, Regina Louf, pourquoi avez-vous décidé de parler à visage découvert ? C'était une étape énorme pour moi de témoigner à la télévision. Montrer mon visage était devenu une protection vitale. La gendarmerie ne me protégeait plus. Il y avait des fuites partout. Plus personne ne contrôlait les dossiers. La seule chose que je pouvais encore faire était d'apparaître publiquement pour éviter qu'on me retrouve un jour dans un fossé. La polémique s'amplifie dès que Regina Louf lève son anonymat. Deux camps, appelés croyants et non-croyants, s'affrontent sur l'existence des réseaux. Ceux qui réfutent le témoignage de X1 haussent le ton. Comment est-ce possible d'avoir passé des nuits à interroger cette fille qui ne disait rien ? Rien, sinon des élucubrations à caractère pornographique impliquant des personnalités célèbres du moment. Première hypothèse, Madame Louf dit une partie de la vérité et il faut que l'enquête détermine ce qu'il y a de vrai, qu'on aille jusqu'au bout. Deuxième possibilité, elle a un chromosome en plus, une case en moins, elle n'a vraiment pas la plénitude de ses facultés mentales, et alors on se pose des questions sur l'enquête. Comment des enquêteurs ont-ils pu se laisser abuser par une demi-cingle? C'était même plus deux clans qui s'affrontaient. Il y avait seulement quelques individus qui me croyaient et le grand public qui était convaincu que j'étais complètement folle. X1 et ses fantasmes, une enquête au-delà du réel. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire du trou s'est enrichie depuis le début de cette année de nouveaux témoignages pour le moins époustouflants, révélant de grands réseaux de pédophilie dans lesquels se retrouveraient de très hautes personnalités du royaume. Des révélations extraordinaires renforcées par un savant effet de suspense. Des témoins dont l'anonymat est protégé par un code, X1, X2, X3. L'un d'eux, ensuite, X1, qui accepte de parler à visage caché, puis finit dans un deuxième temps par révéler son identité et son visage. Voilà de quoi surprendre, sinon convaincre. Alors Gérard, un faux ou un tox ? En fait, depuis quelques mois, nous assistons à un mauvais feuilleton médiatique orchestré par une certaine presse et certains enquêteurs écartés de la cellule de Neuchâtel. Avec le témoignage de X1, on veut nous faire croire à la théorie du grand complot. Alors, X1, fantasme ou réalité ? Regina Louf a levé son anonymat. L'émission Au nom de la loi retrouve ses parents. Selon X1, ses parents l'ont livré à un terrifiant réseau pédophile. Madame, qu'est-ce que vous pensez des accusations qui sont portées contre vous par votre fille ? Si, dans tout ce qu'elle dit, il n'y a rien de vrai. C'est pas possible. Jamais il y a eu ici quelque chose dont elle nous accuse. Jamais, jamais. Rien du tout. Rien du tout. La fois, c'était à la télé. Cette interview des parents va contribuer à discréditer Regina Louf aux yeux de l'opinion publique belge. Deux mois plus tard, la mère de Regina finira pourtant par avouer aux policiers qu'elle était effectivement au courant des relations sexuelles entre sa fille mineure et Tony. Après les parents, Au nom de la loi s'intéresse à la grand-mère de Regina. En 1972, Regina a 2 ans et demi. Pendant la semaine, elle vit à Knok chez sa grand-mère. Madame Poupard est la veuve du commissaire en chef de la police. Pendant près de 10 ans, elle accueillera sa petite fille dans sa coquette villa près du centre de Knok. Elle était sévère, mais elle était bonne. Quand elle disait quelque chose, il fallait le faire comme il faut. Il fallait parler avec des mots, dire bonjour, merci.
s'il vous plaît. Elle était bien éduquée, quoi. Je lui ai laissé à Knok. À Knok, certains se souviennent aussi des activités de cette grand-mère respectable dans les deux établissements qu'elle possédait pendant la guerre. J'ai habité là jusqu'à 46. Et on savait que c'était deux bordels. Une femme de commissaire qui peut ouvrir des bordels à la côte. Enfin, je trouvais ça drôle, mais on n'a plus jamais parlé de ça. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez entendu le nom de Poupart... Oh oui, j'ai tout de suite pensé, Madame Poupart, qui avait deux bordels d'origine, Louf, c'était sa grand-mère, et comme ça j'ai combiné. Et ce qu'elle dit de sa grand-mère, ça, je le crois 100%. Trois mois après que Regina Louf a levé son anonymat, la justice annonce l'arrêt des enquêtes sur son témoignage, au motif qu'aucune preuve ne vient l'étayer. Pourtant, le même jour, Tony passe aux aveux. Il a bien eu des relations sexuelles avec Regina. Je voudrais vous montrer le procès-verbal d'une audition qui a été faite par Tony, où il reconnaît qu'il a eu des relations sexuelles avec votre fille à l'âge de 12 ans. Et il dit également qu'elle n'était pas vierge. C'est impossible, monsieur. À 12 ans, c'est impossible. C'est impossible. Pourtant, c'est une audition à la police de Gand qui est signée par l'homme qui s'appelle Tony et qui est désigné par votre fille. Je ne peux pas croire. Je n'ai jamais rien vu. Quand cet homme venait ici, ma femme était toujours là. Je n'ai jamais rien vu. Je ne sais pas ce qu'il a déclaré. Pourquoi on n'a pas mis cet homme en prison? Pour moi, il peut aller en prison à vie. Pourtant, dans un procès-verbal que vous signez, vous dites précisément... Tony venait plusieurs fois par semaine, il restait parfois jusqu'à 2 heures du matin, il était trop gentil et attirait beaucoup trop Regina, je crois que je n'ai pas protégé ma fille. Oui, j'ai dit que cet homme venait souvent, et c'était le cas. Et je n'ai jamais rien vu de sexuel entre lui et ma fille, jamais. Ce n'est pas l'avis de deux témoins proches de la famille Louf. L'un déclare aux enquêteurs que Tony pratiquait des attouchements sexuels sur Regina et sa mère en présence du père. L'autre affirme avoir vu Tony au lit avec Regina et soutient que ses parents étaient tous les deux au courant. C'était la fête. Chaque Saint-Nicolas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. Mais je devais travailler pour tout ça. C'était pas gratuit. Ils invitaient toute la famille pour prendre des photos et tout ça. C'était justement une sorte d'exposition, enfin, pour dire ben ma fille était bien et tout ça. Ma mère était alcoolique, mais tu ne vois pas dans cette photo. Ça c'est moi, avec des cheveux courts, ouais. Parfois, il y a des abuseurs qui demandaient une fille ou une enfant qui ressemble à un garçon. La plage, ça reste important, hein, la plage, pour moi, parce que c'était la seule place pour moi avec du liberté. Ce sont typiquement les photos qu'ils ont amenées à des autres pédophiles. Pour donner, pour regarder, pour choisir. Même avec des photos pornographiques avec des enfants, on voit des enfants qui rient, qui jouent. C'est comme des photos en vacances. C'est la même chose avec ça. Je savais très bien, quand il y a une caméra, je dois sourire. Ça, c'est ma mère en pleine forme. On était prêts pour aller à une fête, comme, enfin, par tous, comme ça. C'est bizarre. Lors de l'examen de Regina Louf, il était assez évident,
pas beaucoup d'indices qu'il s'agissait d'une personne qui était gravement perturbée par des abus sexuels prolongés dans la prime jeunesse. La santé mentale de Regina Louf a été expertisée par un collège de 5 psychiatres nommés par la justice et dirigés par le professeur Higotte. Mais c'est en même temps, et on voit ça très souvent, quelqu'un de solide, d'intelligent, qui a gardé intact des mécanismes de défense et de survie formidables. Je crois qu'on peut dire que les abus sexuels prolongés et très graves qu'elle a subis ont donné naissance au développement d'une personnalité multiple avec des alter-égos. Les victimes de viols ou d'abus sexuels vous diront « J'étais pas là dans ce corps, j'étais ailleurs. Je me dissociais. » Quand il y a donc des sévices multiples pendant une longue durée, quand on interroge cette personne longtemps après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a beaucoup de matériel qui a été refoulé. On se souvient bien sûr de beaucoup de choses aussi. Mais ces choses-là sont beaucoup moins fiables parce que c'est le fruit de toute une reconstruction, de toute une élaboration de défense. Attention. Mais ça n'est pas la folie, ça n'est pas la schizophrénie, ça n'est pas la mythomanie. C'est évidemment la recherche de sa propre histoire, de sa vérité, et c'est un processus douloureux, c'est un processus tâtonnant. Elle avait un problème pour retenir les dates et pour mettre tout sur une ligne de temps. Mais elle donnait assez d'éléments pour faire une bonne enquête. C'était en fait un puzzle qu'on jetait sur une table, mais qui tenait la route et qui était cohérent. Et finalement, quand on a parlé avec des magistrats sur les premières déclarations, et quand on lui disait, si on peut, si on nous laisse prouver 5%, c'est déjà bien, on a déjà bien avancé, et on aura une bonne vue sur ce qui se passait dans ce monde à cette époque-là. J'ai été filmé. Les photos et les films étaient commandés par des gens qui décidaient eux-mêmes du scénario, du genre d'enfant, des mauvais traitements et des tortures qu'ils voulaient voir. Mais il y avait également des photos et des films commerciaux qui devaient simplement être distribués dans un réseau de pédophiles beaucoup plus conventionnel. Des associations de lutte contre la pédophilie lui ont remis des images qui circulent sur Internet. Regina Louf espère retrouver des photos de l'époque qui prouveraient les abus de son enfance. Pendant toutes ces années, j'ai été abusée par les mêmes hommes. Et j'ai pu voir comment petit à petit ils repoussaient les limites. Au début, ce sont des rapports sexuels classiques, ensuite ils veulent plus. Et quelques mois plus tard, ils demandent de véritables tortures. Ces hommes s'excitent mutuellement à aller de plus en plus loin. L'abus d'enfants permet à ces hommes de se décharger de toute leur frustration. Alle mogelijke frustratie juist op deze kinderen kon botgevierd worden. C'est aussi une forme de pouvoir absolu qui s'exerce sur des enfants qui ne peuvent pas s'enfuir ni arrêter cette violence. Grens konden stellen aan al dat geweld. Au début, il y avait des enfants amenés par leur famille, qui étaient préparés à être abusés. Ensuite, on est passé à des enfants kidnappés dans la rue. Ils étaient terrorisés et les abuseurs aimaient ça. Prendre des enfants dans la rue représentait un risque énorme, mais ça rendait le jeu encore plus excitant. Dan men al gewoon was.
Il y avait énormément d'enfants. Énormément. Il y a eu des meurtres. Et j'étais forcée d'y assister. Ils ont tué plusieurs filles. Dont ma meilleure amie, Claude. Claude pour Regina, c'est Karine, disparue à 16 ans. Son corps a été retrouvé 3 ans plus tard, en 1985, dans une fosse septique. Certains hommes aimaient violer les filles enceintes. En om tijdens de bevalling te misbruiken. Ils ont forcé Claude à tomber enceinte. Et ils l'ont gardée attachée pendant des mois. Jusqu'à ce qu'ils décident qu'elle devait accoucher. Ils ont provoqué l'accouchement. Ça s'est très très mal passé. Ils sont alors venus me chercher pour l'aider et pour faire en sorte qu'elle ne hurle pas trop. Rien n'indiquait au moment de sa disparition que Karine était enceinte. Le rapport d'autopsie de son cadavre relève pourtant la présence de crayons laminaires, une technique utilisée pour provoquer un avortement ou un accouchement. Regina Louf évoque un autre meurtre auquel elle aurait assisté en 1984. Elle parle d'une Christine torturée puis tuée. À nouveau, les enquêteurs vont ressortir le dossier d'une affaire non résolue. Men had dat op voorhand gepland bij Christina. Ja. Dans le cas de Christine, c'était planifié à l'avance. Parce qu'elle voulait parler. Christine, je le savais parce que j'en avais discuté avec elle. Wou praten. Men heeft Christine. Ils ont brûlé le corps de Christine dans la cave d'un bâtiment vide. In de kelders van een leegstaand gebouw, kelders die. Une cave qui servait à faire pousser des champignons. Le corps calciné de Christine a été retrouvé en 1984 dans une champignonnière du centre de Bruxelles. Le bâtiment a été détruit, mais les enquêteurs tentent de vérifier si X1 a bien décrit l'endroit où l'on a retrouvé le corps de Christine. Moi, j'ai été confronté simplement avec le texte de Regina Louf dans la description des lieux. Et j'ai constaté quand même que tout ce qu'elle disait, il y avait quand même une grande partie de vérité là-dedans. Je peux vous dire une chose, pour moi et pour ma famille, Regina Louf est un jour rentrée dans ce bâtiment, minimum une fois. J'ai une mémoire extrêmement visuelle. Et quand la situation devenait dangereuse, pour me protéger et pour me calmer, j'essayais de m'abstraire de ce qui se passait autour de moi, en me concentrant sur l'observation des visages et des objets. Donc j'étais capable de décrire cette maison, la porte, l'entrée, la couleur des dalles, du sol, le papier peint. Bon, elle a dessiné la cheminée, le living enfin, pour moi qui était relativement fidèle, la cheminée qui existait. Mais je dis, ce qu'elle a dit correspond avec la champignonnière, surtout que j'ai montré la description à un frère à moi, hein, bon, et mes frères ont dit, bah, écoute, cette fille était là, hein. C'est pas possible autrement. Karine et Christine ont été tuées à 16 ans. Pour Regina, ce n'est pas le fait du hasard. Christine, 16 ans, c'était vraiment la limite. Après 16 ans, tu n'avais plus de valeur. Soit, après tout ce que tu avais subi, tu étais devenue folle et ils te laissaient partir. Soit ils te tuaient. Of ze vermoorden u. Et vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont laissé en vie? Ik wist absoluut niet hoe ik moest ontsnappen. Pour essayer d'échapper à cela, dus bedacht ik de stratégie. J'avais imaginé une stratégie. Iemand mij zou missen. Op het moment je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un tienne suffisamment à moi pour qu'en cas de disparition, il prévienne la police qui partirait à ma recherche.
Het was op 10 november 1984. C'était le 10 novembre 1984. Een gala show in de manège. Il y avait une fête au manège. Ik kende voordien avec une soirée dansante. Maar je connaissais Regina de vue. Het was een dansfeest na een doop. En ik stond daar eigenlijk te midden van het volk en zij. J'étais au milieu de la foule et elle s'est dirigée vers moi avec l'air de dire: est-ce que tu veux danser? En ja. Comme si je n'avais pas d'autre choix. Et donc on a dansé ensemble. Ik had eigenlijk nog nooit echt contact gehad met de leeftijd. Je n'avais jamais eu de vrai contact avec des jeunes de mon âge. En ik herinner mij, je me souviens qu'on a dansé et qu'on s'est embrassé pour la première fois sur la piste de danse. Ik had eigenlijk nooit verwacht. Je ne m'attendais pas à vivre quelque chose de pareil. Ik nog zoiets zou meegemaakt hebben. En dat was dus niet zo. Hij kwam naar mij. Il est venu vers moi et il m'a embrassé. J'étais sur un petit nuage. Ik heb hem eigenlijk die nacht nog. Ce soir-là, je lui ai raconté que Tony me faisait peur. Qu'il était très dangereux et que j'avais besoin de quelqu'un qui soit prêt à me protéger. Et comme un sauveur sur un cheval blanc, il a promis de m'aider. Il avait 16 ans. Juist omdat het beetjes bij beetjes waren en misschien mijn leeftijd. En il n'y a jamais eu de problème entre nous. Heel goed kon verstaan. Parce que malgré mon âge, je parvenais à la comprendre. Zo jong. À me mettre à sa place. Ik heb er echt nooit problemen bij gehad. Ik heb er altijd bij gestaan. Je l'ai toujours soutenu, sans trop tenir compte de moi-même. Ik denk dat daardoor een van de redenen was dat. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a toujours eu beaucoup de compréhension et d'affection entre nous. Zeer goed kon verstaan. Erwin tient sa promesse de l'aider. Il obtient des parents de Regina de venir dormir de temps à autre dans la maison familiale. Prima. Les premiers mois, elle n'était pas capable de prendre soin d'elle. C'est moi qui la lavais, l'habillais, l'aidais à faire ses devoirs et la conduisais à l'école. Elle était incapable d'entreprendre quoi que ce soit d'elle-même. Ze sneed regelmatig in haar armen, vooral haar armen. Fréquemment, elle se tailladait les bras et parfois d'autres parties du corps. En dat was meestal avec un objet coupant. Le plus souvent, une lame de rasoir. Het was enkel aan mij op deze momenten. Mon rôle dans ces moments-là était de la soutenir. Van mijn neus, mais aussi de l'engueuler pour qu'elle arrête. En zeggen dat kan niet, dat was uit een boze. Mais je comprenais pourquoi elle faisait ça. Ik begreep ook waarom dat ze dat deed. Erwin et Regina ont tous deux 19 ans quand ils se marient. Ils auront 4 enfants. Mais Tony, il n'a rien fait contre Erwin? Nee, nee. Dat is eigenlijk mijn eerste grote non. Et pour la première fois, j'ai pris conscience qu'il n'était pas tout puissant. Tony faisait des choses extrêmement cruelles quand il était sûr de l'impunité. Maar hij deed alleen maar vrede dingen bij mensen bij wie hij kon berekenen. Il n'a rien pu faire contre Erwin parce qu'il n'avait aucun pouvoir, ni sur lui, ni sur ses parents. Hij had Erwin niet in de hand. Hij wist niet hoe dat. Et donc, il ne savait pas comment les choses auraient pu tourner. La ferme, c'est le grand rêve de Regina. Et je la soutiens. Je pense que la ferme l'aide à tenir debout.
un amour commun, c'est les animaux. C'est un langage très simple. Avec les animaux, c'est très simple, pour les enfants aussi. Tous mes enfants ont un meilleur ami pour bavarder, pour pleurer, quand il y a quelque chose. J'essaie de vivre ensemble en harmonie avec la nature, mais aussi avec les animaux. C'est la seule fois que j'oublie toutes les images dans ma tête. Ce sont tous des chevaux qui sont négligés ou maltraités, tout ça, et donc je fais quelque chose pour eux, je respecte leur vie, et eux, ils me donnent une thérapie. Mais Kendrinzen, mes enfants sont au courant de mon passé. Oui, d'ailleurs. Het heeft mij heel veel moeite gekost. Ça m'a demandé beaucoup de courage pour leur raconter ces choses. Ik verlangde ernaar eigenlijk mijn kinderen. J'aurais préféré leur dire que j'avais connu une belle jeunesse où tout était rose. Maar zo was ik niet. En ik heb een beetje. Je leur ai raconté les choses petit à petit. En hoe moeilijker. Même quand les questions devenaient de plus en plus difficiles, je continuais à leur répondre. En nu weet ik. Et maintenant, ils savent beaucoup. Maman, je ne sais pas que tu es, moi je te parle. Maman, je n'ai pas de chance en une vraie chose en dans Iedereen is opgelucht omdat ik gek verklaar. Tout le monde est soulagé parce qu'on m'a prise pour une folle. En dat is ook logisch. Gekke mensen. Et c'est logique. De waarheid niet. Les fous ne peuvent pas dire la vérité. Et donc, l'affaire est close. En daardoor heeft men signaal. C'est une façon de dire à toutes les autres victimes, si vous parlez, on vous déclarera folle comme Regina Louf. De slachtoffers die niet getuigen. Les victimes qui ne témoignent pas portent un secret très lourd. Un geheim met zich mee. Elles doivent en permanence jouer un rôle. Et ça, c'est un poids qui m'est complètement tombé des épaules. C'est une liberté qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Ça m'a rendu ma vie. Teruggegeven.